Salut à tous, c'est ACS Fennec 89. On se retrouve ensemble aujourd'hui sur World of Warship avec notre série des bateaux français et de puiser le De Grâce, un croiseur premium de rang 5. Bon petit croiseur. Alors, nous aurons comme commandant André Le Meunier. Alors, André Le Meunier, il est au niveau 16. Alors, qu'est-ce qu'il a? Alors, son trait de base, c'est réduction de la durée pendant laquelle la détectabilité de votre croiseur est augmentée après avoir tiré sur les canons principaux. Bon, pour l'instant, on l'a pas effectif, hein, il nous manque un demi-point, maîtrise 9 sur 20. Par contre, on a améliorable au grade légendaire 4, durée de détectabilité du croiseur après un tir des canons principaux, moins 25%. Ah non, ça on l'aura après aussi, ouais, parce que pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Alors, par contre, on a augmentation du risque d'incendie causé par les obus HE, distance de détection des torpilles, dégâts des obus AP du canon principal du croiseur plus 10%, multiplicateur de pénétration des obus AP du croiseur plus 6%. Et pour l'instant, on a précision des canons principaux du croiseur plus 4%, dispersion de la batterie principale plus 4%. On est légendaire niveau 3. Alors pour l'instant, on a seulement la maîtrise 3 sur 4, alors durée de rechargement des canons principaux du croiseur, moins 7%. Et on a comme inspiration Norman Scott, augmentation de la précision de la batterie principale de votre croiseur. Et Isoroku Yamamoto, pour amélioration des capacités de perforation, de blindage des obus de votre croiseur. Voilà, voilà pour notre commandant. Alors, le bateau en lui-même. Alors, agilité, capacité de changer de cap supérieure à la moyenne, et visée réactive, vitesse de rotation de la batterie principale supérieure à la moyenne, procure un avantage en combat rapproché. Alors, le De Grâce. Selon l'ébauche de sa conception en 1938, le croiseur léger De Grâce fut développé à partir des navires de classe la Galissonnière. Il avait pour avantage principal un blindage lourd et de bons canons de batterie principale. Il possédait un armement anti-aérien distinctif, une vitesse améliorée, et des tubes lance-torpilles légèrement renforcés. Année de projet 1938. C'est un galissonnière amélioré, on va dire, en quelque sorte. Ah oui, ah, tu prends un croiseur, il n'y a pas de destroyer en face. Il n'y a que des cuirassés. Bizarre, l'autre il s'en va à droite là-bas, moi je m'en irai pas par là-bas. Repliez-vous.
Alerte incendie. Problème résolu, chef. J'aime pas jouer comme ça. J'ai repéré par quoi là? Tu es tout seul là-haut avec ton destroyer, mais bon. Pas terrible tout ça.
poste des moteurs activés. Normalement sa vocation lui c'est tout ce qu'on a c'est les obus AP, mais là bon obus AP contre un cuirassé ça sert à rien avec un croiseur. Des moteurs désactivés. La victoire est à notre portée. Ouais. Ça sert à rien, ils vont l'avoir avant. Oui, bah pas une partie terrible, hein. Pas terrible tout ça. On va en faire une autre. Ouais, là au début, bah, j'ai pas été sur le point qu'on avait parce que bon, deux cuirassés, un croiseur, et j'étais pas sûr qu'il y ait un destroyer en plus. Vu que le cuirassé qui était avec nous il s'est barré. Le mec qui est parti là, ils sont destroyés tout seul. Il pouvait pas faire grand chose. Hein. Il aurait dû regarder la carte stratégique et il était vraiment tout seul quoi. Des fois ça sert à rien, vous avez un destroyer, ça sert à rien d'aller quelque part si vous êtes tout seul, hein. Vous allez rien faire. Hein. Vous avez peut-être niqué un cuirassé comme ça. Mais deux cuirassés, un croiseur. Comme tout à l'heure, encore des rangs 6.
Ils vont tous se barrer à droite. Essayez de ne pas toucher trop au joystick pour que notre vitesse de pointe s'accélère. Parce que plus que vous allez toucher au joystick, et moins que votre bateau va accélérer. Et sans mettre la super vitesse, je suis plus rapide que... C'est quoi ça? Le Pensacola. Mais par contre, ça c'est un croiseur lourd, ça. Moi, je suis un croiseur moyen. Par contre, le Pensacola, lui, il n'a pas de torpille. Qui tire là? Ah là-bas il y a un destroyer. Croiseur ennemi coulé. On ouvre le bal. Ah ça fait les dégâts hein, avec tout ce que j'ai sur les obus AP. Cool, le truc il est mort quoi. Par contre là on va se mettre en HE parce que à mon avis c'est un destroyer. Hein. Ouais, il va être planqué là-haut. Il y a trois croiseurs en sera, ok. Oh putain, je l'ai pas dans... Ah oui, d'accord. Torpille à midi. Torpille droit devant. Ok. Torpille à midi. C'est chiant parce que si je me mets en obu AP contre le Pensacola, j'ai l'autre qui va se pointer là, là. Bon ben j'ai changé, hein, c'est pas grave. À midi. Ah merde, je croyais que c'était le truc qui dépensait là-haut, là. Ici, là. Je croyais qu'il était là, le truc, mais il est derrière. Allez, un petit coup de boost, là. J'espère qu'il y a pas les torpilles qui vont arriver.
Ce qui est bien avec lui, c'est que tous ses obus passent par-dessus. C'est le canon qui tire haut. Pas qu'ils prennent le point. Ah bah là je suis à l'ouest, il est plus loin. Je pourrais pas l'avoir là. C'est con, mais au cas où là, même si c'est un 6, ça fait pas peur, hein. Face à un de grâce. C'est un rang 6, le Mekyo, mais ça fait pas peur. Si j'arrive à voir en bordé, ouais, mais là il est. Bordé contre bordé, ça fait pas peur. Là, il s'en va. Notre équipe a pris l'avantage. Sur place là-bas. Et boum, boum. Voilà. On a détruit un croiseur ennemi. C'est con, les obus AP, je vais rien y faire à l'autre là-bas là. Un peu alors. Ah, il va l'avoir avant que je puisse l'avoir. Dommage.
Bon, alors là-bas, on a le destroyer. Je sais pas qui il est. Ça sert à rien que je mette le sonar, je suis trop loin. Parce que là, vous mettez le sonar, vous le voyez hein, dans la fumée, mais là, j'ai une distance qui est trop éloignée. Vas-y, pépère, en manche. Bon, toi. Même pas marrant. La victoire est à notre portée. Là, on a manqué plein hein, des shoots là quand même. Alors, il est où? Il est là-bas. Allez, au cas où. Bon, ça sert à rien, faut qu'il vienne ici hein, parce que là j'ai une distance qui est trop loin. En plus il se barre comme ça donc Nelson. Boost des moteurs désactivé. Je pense pas que ça soit armé à Nelson, je sais pas. Je connais pas trop parce que comme c'est les nouveaux cuirassés, mieux c'est de le cramer que de se mettre en AP. Bon, il est déjà en train de cramer donc bon. Ouais. De grâce là franchement il fait des sacrées citadelles lui hein. On n'a pas beaucoup, 35 000 de dégâts mais c'est rien quoi. Et on a bien œuvré dès le début, après bon on avait rien quoi donc forcément bon c'est en rang 5 franchement c'est mon croiseur préféré quoi. De grâce, il n'y a pas à chier. Comme dirait l'autre, il n'y a pas tortillé du cul pour essayer de chier droit. C'est l'un des meilleurs. Bon, c'est un premium. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les premiums, hein, c'est soit des bateaux qu'il faut gagner, soit il faut les acheter. Par contre, vous avez plus de... Vous gagnez tout en plus. À chaque fois que vous jouez avec, vous gagnez plus d'expérience, vous gagnez plus d'argent, plus d'expérience globale. Voilà, quoi. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre. Allez, ciao !